Partons à Tel Aviv retrouver l'une de nos équipes, Charline Hurel, avec Gabriel Horion. Tsahal a annoncé ce matin avoir récupéré dans la bande de Gaza la dépouille d'Elia Toledano, ce franco-israélien de 28 ans qui avait été pris en otage par le Hamas. Charline, vous avez rencontré des proches du jeune homme. Racontez-nous. Une cérémonie religieuse en toute intimité parce qu'il a été demandé à la presse de sortir pour respecter le deuil des familles. Nous avons tout de même pu s'entretenir avec les très proches d'Elia et ces très proches qui évidemment avaient beaucoup de chagrin, mais tous nous disaient à quel point c'était un homme qui rayonnait, un rayon de soleil, nous disent-ils, toujours prêt à rendre des services pour ses proches. Évidemment, beaucoup de douleur et puis le dernier mot à son ami d'enfance avec qui nous avons longuement échangé, une amie qui se connaissait depuis 10 ans, qui ont été élevés ensemble et qui nous disait sa profonde tristesse en disant comment va-t-on pouvoir vivre sans lui désormais. Et il nous racontait que le 7 octobre, eh bien, initialement, il ne devait pas y être à ce festival et qu'au tout dernier moment, il avait décidé d'y aller. Ses derniers échanges d'ailleurs étaient avec lui. Donc voilà en tout cas cette journée, cette cérémonie extrêmement douloureuse en tout cas pour toutes ses familles et tous ses amis. Merci beaucoup Charline Hurel avec Gabriel Horion en direct de Tel Aviv en Israël. Emmanuel Macron a réagi, notre compatriote a été enlevé 7 octobre par le Hamas. Profonde tristesse ce matin en apprenant son décès à Gaza. Je partage le choc et la peine de sa famille. Il avait 28 ans. La France continue d'œuvrer sans relâche pour libérer tous les otages. Et Israël continue de son côté de traquer sans relâche les chefs du Hamas. Et il faut dire que la donne a désormais changé. Regardez pourquoi. يكشف لنا بشكل حصري عن اختفاء مفاجئ لعدد من قيادات حركة حماس في قطر في الآونة الأخيرة وإذا قلنا اختفاء مفاجئ شامل كلي يعني يشمل مغادرتهم مكاتبهم يشمل طواقم عملهم المستشارين المرافقين بما فيها أيضا السواقين ونفس المصادر تؤكد أنه انقطع الاتصال معهم بشكل كلي وكامل بطريقة Les chefs du Hamas ne sont désormais plus les bienvenus au Qatar. Catherine, comment expliquer ce revirement ? On a l'impression qu'ils sont passés à la clandestinité oui. et que les Israéliens... D'ailleurs, ça avait fait partie des négociations pour la libération des otages. C'était que le Qatar voulait qu'Israël s'engage à ne pas éliminer les chefs du Hamas sur son sol. Tsahal n'a pas réussi à éliminer le Hamas militaire dans Gaza, hein, visiblement, en tout cas pas la direction, puisque le désormais et malheureusement célèbre Yahya Sinwar, qui est la tête pensante apparemment du 7 octobre, n'a toujours pas été retrouvé, ses proches non plus. D'ailleurs, aujourd'hui même, les Israéliens ont distribué des informations en disant qu'ils donneraient 300 000 dollars pour les informations sur Yahya Sinwar et 200 ou 100 000 pour ses adjoints. Donc on a un peu l'impression que, de ce fait, les Israéliens ont décidé d'éliminer les responsables politiques du Hamas, faute de pouvoir éliminer, pour l'instant en tout cas, les responsables militaires. Mais sur ce point, Catherine, promettre des centaines de milliers de dollars pour des informations sur les chefs du Hamas auprès des Palestiniens, ça a une chance de marcher ? C'est un grand classique. Aussitôt qu'on recherche, moi je me souviens, en Afghanistan, en Irak et ailleurs. Je vous interromps parce qu'on part à Bruxelles écouter le chef de l'État. Je m'incline. Le dernier Conseil européen de l'année, avec plusieurs sujets structurants pour le long terme et la souveraineté européenne. Mais avant toute chose, permettez-moi ici de dire nos condoléances à Elia Toledano et sa famille, enfin la famille d'Elia Toledano, puisque l'un de nos otages, qui, vous le savez, restait une source d'espoir, a été retrouvé ce matin, malheureusement décédé. Donc je veux adresser de notre part à tous nos condoléances les plus sincères à la famille d'Elia Toledano. Nous avons encore 3 otages qui sont détenus par le Hamas et je veux ici redire la détermination de la France à tout faire pour les libérer.